Et salut tout le monde, c'est Edki, on se retrouve aujourd'hui au fin fond d'une fourmilière. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes sur un simulateur de colonie de fourmis avec, bien évidemment, la reine fourmi qui est là. Bonjour madame, je ferai tout pour vous aujourd'hui. Que voulez-vous? Est-ce que vous voulez à manger? Sélectionne un nid d'abord. Ok reine, j'y vais, je sélectionne mon nid, donc juste ici, je découvre avec vous le simulateur, c'est parti. Nous avons sélectionné celui-ci. Alors je dois aller maintenant lui parler. Rebonjour reine. Ah, je dois lui donner à manger directement, allez. Tiens, cadeau. Oh, wow. Alors j'ai sur moi l'équivalent de 100 aliments, ce qui va me permettre de spawn un petit œuf. Alors par contre, je peux prendre que le premier, celui-ci. On l'achète, c'est parti. Voilà, madame. Qu'est-ce que c'est? C'est la fourmi taureau. Ça doit être une particularité de... ça doit être une grosse fourmi. En tout cas, bienvenue ici. Alors, comment ça se passe? Je suppose qu'il faut que j'aille chercher à manger dans un... Mais il y a un endroit très très bizarre ici qui est vachement coloré. On va aller voir ce que ça donne. C'est vraiment ça, le monde des fourmis? Aïe, il y a le Père Noël au monde des fourmis. Qu'est-ce qu'il a à nous offrir? Parlez au Père Noël. Ho, ho, ho. Je suis si heureux de vous voir ici. Ok, il a tout perdu dans la forêt. Il s'est complètement renversé avec son traîneau. Est-ce que tu peux m'aider à retrouver mes objets? Je vais te récompenser pour chaque objet que tu me rapporteras. Ok, très bien. 11 items. D'accord, ok. Can you collect 1000... Oh, ça va, non, déjà. 1000 items. 11 items, ça va. Tu en veux pas 1000 de plus? Bon, alors, où est-ce que je vais trouver donc ces... Oh là là, le monde en tant que fourmi, c'est... C'est assez complexe, hein. Par contre, les fourmis font des très beaux builds, hein, il faut l'avouer. Je me sens tellement petit là-dedans. Alors, où est-ce que je peux trouver donc ces petits objets qu'il faut que je lui récupère? Est-ce qu'on tourne? Waouh! On tourne pas quand on est là-dessus. Attendez, je vais me mettre au plein milieu. Yep. Là. Waouh. Waouh. Ok, c'est bon. Tout le monde a vomi, c'est bon. Honnêtement, je sais pas du tout où c'est que je vais trouver ces objets qu'il a perdu. Ici, il y a un petit truc sympa. Ah, ça y est, je peux me nourrir ici. Très bien, on va récolter un petit peu de nourriture ici. Je peux en avoir jusqu'à 200, j'ai un petit sac à dos limité quand même. Ah ouais, le biscuit se rétrécit au fur et à mesure que j'en bouffe. C'est complètement, c'est logique, mais c'est bien fait pour un simulateur, c'est cool. Allez, on va prendre un petit peu de petit bonhomme d'épices comme ça. J'ai l'impression que c'est gigantesque tellement que je suis petit. Ah ok, c'est bon. J'ai mon sac à dos qui est plein. On va se rendre donc sûrement au Père Noël. Non, c'est pas au Père Noël, je sais pas. En tout cas, vous vous rendez compte qu'il y a des fourmilières. La fourmilière la plus grande du monde, elle fait 6000 km quand même. C'est assez impressionnant. Alors, est-ce qu'il veut mes trucs? Non, non, il veut pas, il veut pas. Ok, je retourne à mon nid. On va donc feed tout ça. Alors, je me mets là, store food. Je pose tout. Oh, ok, c'est la petite fourmi là qui est en train de s'occuper de ça là. Je stocke toute ma bouffe ici, c'est parfait. Alors, dès que j'aurai 25 fourmis, je pourrai aller là. Et dès que j'en aurai 30, je pourrai aller de ce côté. Ça doit être des... Oh, des nouveaux niveaux hyper intéressants. Je peux pas me mettre comme ça pour voir un peu plus. Non, j'en verrai pas plus. Alors, je vais essayer d'avoir une nouvelle fourmi du coup. Ah non, non, il m'en faut un petit peu plus. Je sais pas combien il faut. Ah, il en faut 1000. Waouh. Ok. Allez, bon, on va partir maintenant du côté gauche. On a quelque chose d'un petit peu plus réel quand même. Hein. Ah, nous sommes à un endroit de pique-nique. Alors, peut-être que lui va me donner une mission. Bazooki. Parler à Bazooki. Ok, ok. Il faut que je lui récupère 100 nourriture. Très bien. Alors, je vais peut-être pas en récupérer sur le feu. Quoique, si, si, si. Si, si, si. Alors, je vais essayer de récolter. Ah, oui, ça y est, je peux. Waouh, on a toute l'armée, tout ce qu'on peut avoir comme, comme fourmi ici. Oh, génial. C'est bon, j'ai récolté les 100 que tu voulais, mon pote. Alors, tiens, mon ami. Hop. Ah, ça a pas marché. Oh non, il fallait que je les récolte là-bas sur la zone de pique-nique. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais aller stocker chez moi si tu lui veux pas. Bon, j'ai bien envie de me tenter de me prendre ce petit truc à 400 Robux qui va me permettre de transformer mes cellules en fourmis directement. Enfin, si ça marche bien, hein. Alors, faut faire comment? Ok, ah, il faut la positionner dessus comme ça. Ah non, faut la mettre sur une des fourmis existantes. Alors, du coup, je vais transformer celle que j'avais avant. Et maintenant, elle est devenue en cow-boy et c'est une rare. Parfait. Ah ça, je vais pouvoir le faire 10 fois du coup, dès que j'aurai des fourmis pas trop fortes, eh bien j'en prendrai des nouvelles. Du coup, je devrais maintenant récolter de manière un petit peu plus rapide. Ah, il y a le shop ici qui vont me permettre d'avoir des nouveaux outils, je sais pas combien ça va coûter. On va regarder. Ok, là on a la fourchette, c'est celle que j'ai, et ça, ok, pour avoir la petite cuillère, il faut avoir seulement 800, donc on les aura très bientôt. Allez, on va se prendre un petit peu de sandwich, parfait, let's go. Ah ouais, ça va un petit peu plus vite avec ma nouvelle fourmi, là. Allez, c'est bon, j'ai eu les 100, maintenant je vais pouvoir lui apporter, j'espère que ça va lui plaire quand même. Et pourquoi il y a des Lego ici? Allez, tiens, Bazooki. Prends toute ma bouffe. Parfait. Oh, il m'a donné 200 de bouffe. Ok, maintenant, il veut que je lui récolte 250 de bouffe. Bon, bah, je vais commencer à le faire. Par contre, maintenant, c'est au niveau du feu de camp qu'il veut que je récolte. Hein. Il aurait pas pu dire ça tout à l'heure. Ah, il y a une zone avec 5 seulement fourmis là-bas. Donc, on va pouvoir très rapidement aller dans la nouvelle zone à 5 fourmis. Oh, regardez-moi ce joueur-là. Comment il est trop avancé sur le simulateur. C'est abusé tout ce qu'il a. Oh, il a piqué toute la nourriture aux humains, lui. Allez, bosse un petit peu, ma fourmi cowboy. Abonnez-vous et un like. Merci beaucoup pour ton message. Et effectivement, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Allez, c'est parti. On retourne donc finir cette quête. Je crois que je l'ai terminée. Ouais, collecte 250 campfire food. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Alors, tiens, mon ami.
Hop. Alors qu'est-ce qu'il m'a donné? 400. Waouh, c'est pas mal, hein. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me prendre une petite cuillère parce que franchement, la fourchette, ça commence à faire. Non, mais attendez, je vais faire un petit peu mieux en fait. Je vais prendre 5000 de foot directement. À 50 rebux, c'est parti. Comme ça, je vais pouvoir avoir le couteau directement. Ah, ou alors, je peux prendre le spork. Ok, allez, attendez, je vais remettre 5000. Bon, n'oubliez pas le petit code Redkill dans la boutique Robux, c'est important, hein. Allez, c'est parti, je prends donc cette fourchette cuillère, comment on appelle ça déjà? Les cuillères fourchettes. Ouah, elle est stylée, elle est stylée. Est-ce que je peux pas avoir du coup un nouveau sac à dos, pourquoi pas? 5500. Ah ben j'ai juste assez ce qu'il faut, parfait, 3500 de capacité, on prend. Ah là ça y est, je suis refait, ça va aller vachement vite. Alors on va tester maintenant combien je récolte donc avec ces nouveaux outils, c'est parti. Ok, là j'ai rien pour l'instant, oh cette belle petite fraise, 16, plus 16 maintenant, c'est pas exceptionnel non plus, mais bon, ça va quand même plus vite. En violet, c'est ce que moi je récolte, et en bleu, c'est ce que mes fourmis récoltent. Regardez, c'est lui qui a toute une colonie derrière lui, c'est impressionnant le nombre de fourmis qu'il a. Je sais pas s'il y a du PVP ici, mais je voudrais pas me battre contre lui, hein. Surtout que les fourmis, c'est vraiment... elles ont des organisations, des fois, qui sont juste parfaites. Allez, j'avais l'idée d'une nouvelle quête, c'était de récolter 500 de bouffe. Tiens, prends ça, mon pote. Merci pour les 500. Hop, faut que je récolte 600 de fraises. Ok, alors les fraises, elles sont là-bas au pique-nique. Par contre, je vais aller tout stocker dans mon nid. Alors, est-ce que je peux pas prendre un nouvel œuf maintenant? Si je peux, lay egg. Allez, c'est parti, on le prend. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Viens la mettre dans mon nid. Ah, c'est c'est les fourmis médecins, je les avais pas vus. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est? Une fire, génial. Je suppose que c'est bien. Au niveau de la rareté, je sais pas trop ce que ça fait, mais bon, on va tester ça. Regardez-moi comment elle est bien faite. Génial. Alors, combien coûte le prochain œuf? Maintenant, c'est 2500, d'accord, très bien. Après, il y a d'autres œufs qui donnent sûrement des plus rares... des fourmis plus rares, sauf qu'il faut des antiques. Et je sais pas ce que c'est les antiques. Je sais qu'on peut les acheter dans la boutique, mais ça coûte un peu cher quand même. Allez, on prend un petit peu de fraises pour la mission, c'est important. C'est bon, j'ai tes fraises, mon ami, tiens. Hop, merci pour les 625. Maintenant, il faut que je récolte 1000 myrtilles, ok. Allez, encore un petit peu, ça sera bon. Allô, c'est bon, c'est fini. J'ai eu les 1000 myrtilles, parfait. Bon, bah, je vais aller stocker toute ma nourriture et on va agrandir la colonie avec une nouvelle fourmi. Hop, en attendant, tiens, toi, tes myrtilles, c'est cadeau. 750, il m'a donné. Oh, ouais, je peux avoir directement une fourmi sans stocker ma nourriture, c'est parfait. Oh, oui, ma reine, fais-moi un œuf. Fais-moi un œuf. 2500 d'aliments et c'est parti. Nouvelle petite fourmi. Allez, un peu de chance, s'il vous plaît. Un peu de chance. Attention, qu'est-ce que c'est? Encore une fire, non. Ok, mais c'est pas grave, je vais l'échanger ma fire. Je vais mettre autre chose. Alors dans mon sac à dos, j'ai quoi? J'ai Royal Jello, je peux mettre ça sur la fire. Attention, on va la transformer. Alors la fire, c'est quelque chose de commun. On va la transformer en quelque chose de rare. Yes, ah mais c'est encore une boule. Bon, c'est pas grave, hein, tant mieux, hein. C'est rare. Du coup, je vais également changer ma fire. Pourquoi pas avoir également un autre truc. Voilà, une rare... Encore une cow-boy, ok. Allez, au boulot, au boulot, au boulot. Ouais, j'ai eu beaucoup de fraises et beaucoup de myrtilles surtout, hein. Parfait. Alors là, j'ai 2200, je pense que j'ai pas assez pour acheter. 4250 le prochain œuf, ok, ok. Ok, lui maintenant, il veut 1000 nourritures à partir de des crèmes glacées qui sont là-bas. Alors, on y va, il y a un peu de tout ici, hein. C'est un peu le bordel. On va se prendre ça. Ah, je viens de recevoir un Antix qui s'est mis juste là, par contre j'en ai qu'un seul. Je sais pas s'il en faut pas genre une dizaine pour avoir les meilleurs œufs. Bon allez, niveau bouffe c'est bon, j'ai fini ma mission là. Ah mais il m'a donné trois missions en même temps, d'accord. Alors faut que j'aille sur le ballpark, je suppose que c'est là-bas, parce que je vois des balles de baseball. Regardez-moi ces joueurs de baseball là, qui laissent de la nourriture partout, c'est n'importe quoi. Oh c'est des pipas. Oh c'est trop bon les pipas. Je mets une pipasse. Vous avez vu que je fais quand même la taille d'une pipasse moi. Hein. Allez, plus que 200 de nourriture, et c'est terminé pour cet endroit là. Maintenant on va aller au pique-nique. Ah on peut monter ici, il y a quelqu'un qui est là, je sais pas s'il a pas des missions pour nous lui aussi. Ok. Ah, ok, faut que je lui ramène 5000 aliments de cette zone là, donc on y retournera après. Et il va me donner ce que j'ai là depuis tout à l'heure, là, les Royal Jello. J'ai rempli pour la première fois mon sac à dos, 3500 quand même. Allez, je pose tout ça ici avec mes trois fourmis, ça devrait aller un petit peu plus rapidement que tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que j'ai assez pour acheter un petit œuf. Donc ça, c'est parfait. J'espère avoir. Pour une fois, un super œuf, mais je crois qu'on peut avoir que des... Hop, là, je voulais pas aller là. Je crois qu'on peut avoir que des basiques, hein, donc... c'est pour ça que c'est bien ce que j'ai, là, le Royal Jello, ça me permet de les transformer rapidement. Donc là, je vais avoir, ben, un boule, non? Attention! Ah non, les boules, c'est rare, donc je peux pas avoir un boule, c'est pas possible. J'ai un worker, hein. J'ai un ouvrier. Alors, l'ouvrier, il est commun, il a 20 d'énergie, il collecte 8 toutes les 4 secondes, et il stocke 80 toutes les 4 secondes. Ah, c'est un peu moins que les autres, hein. Je vais essayer de l'upgrade, quand même. Allez, Royal Jello, on le met sur le worker. Yes! Oh, j'ai eu un épic, yes! C'est un pirate qui est un petit peu plus rapide quand même. Hein. En tout cas, oh là là, regardez-moi comment il est stylé. Elle est où ma fourmi? Il est où le pirate? C'est lui là? Faut que je le trouve. Ah, c'est lui là, en noir là.
Wouah, il est trop stylé. Bouge pas, faut qu'on prenne une photo, t'es habillé comme moi en plus. Arrête de danser toi. Allez, je termine rapidement donc la dernière mission qui me reste avec les picnic food. Et ensuite, on ira faire les 5000 ballpark, je pense. Hein. Bon là, vu que c'était 3 quêtes en une, je pense qu'il va me donner un maximum de thunes. S'il te plaît, donne-moi au moins genre 2000. 2000. Ah non, il m'a donné un 9, c'est encore mieux. Merci, merci beaucoup. Ah, il a plus de quête. Ok, très bien. Donc, on a fini pour Bazooki. On va aller directement utiliser l'œuf que j'ai eu là. Alors, il doit être dans mon sac à dos. Silver Egg, on va le positionner juste là. C'est parti. J'ai eu un cowboy. Ok. Je pourrais essayer de l'améliorer. C'est pas forcément le plus important pour l'instant. Allez, c'est parti. Viens là, mon cowboy. Parfait, on a les 3 cowboys qui sont alignés. Je peux donner de la myrtille. Je vais les donner à mon pirate. Ça va lui donner plus de confiance en soi. Non, je sais pas. Ah, plus de. Ok, il est plus content, il a plus d'happiness. Alors maintenant que j'ai les 5 fourmis, je peux aller dans la nouvelle zone si je veux. Elle est juste là-bas. Je vais aller voir s'il y a un nouveau shop ou un truc comme ça. Alors, est-ce que c'est là-dessus? Ouais, c'est là, hein. Ok, il y a des Lego à moitié terminés. On va y passer, on va voir. Vous me suivez les fourmis, hein. C'est grâce à vous que je peux venir ici, hein. Parce que j'en ai 5. Oh putain, il y a une araignée là-bas. Oh, la grande table. Ok, ok, ok. Alors là, il va y avoir encore plus à manger, là. Je pense que ce serait bien que je trouve une boutique. Ah, il y a peut-être pas de boutique ici, hein. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Moi, je veux vraiment finir ma mission, là, avec les 5000 ballpark ici. Ah, je suis rendu à 3500, malheureusement. Je pourrais pas finir ma quête en une seule fois. Il va falloir que je revienne ici. Alors, attendez. Quitte à se mettre, voilà. Quitte à se mettre. Oh là, je prends ça. Ouais, il me l'a pris, non? Allez, servez-vous, mes petites fourmis. Il ne doit plus rester un seul morceau. Allez, c'est parti pour un nouvel œuf. Peu importe ce que j'aurai, de toute façon, je vais l'améliorer directement avec mes Royal Jello. Mais attention, qu'est-ce que ça va être? Un boule? Peut-être un boule? Et un army. Ok. Alors, celui-ci, il a 25, 25, 8 toutes les 4 secondes. C'est moins que tout ce que j'ai, hein. Ouais, c'est clairement moins que tout ce que j'ai. Je vais directement l'améliorer. Alors, Royal Jello, je le mets sur mon army. Et j'ai un nouveau boule. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ça, mais sur un cowboy. Parce que j'ai quoi? J'ai 27% d'avoir un épique. 27%, s'il vous plaît. Un épique. Un épique. Oh non, je l'ai transformé. J'ai transformé un cowboy en cowboy. Allez, je le refais. Je suis obligé de le refaire. Allez. Ah, j'ai transformé un cowboy en boule. Allez, je le refais une dernière fois. Mais s'il vous plaît, de la chance, de la chance, de la chance, de la chance. Et. Ah, oh, encore un rare. Putain, j'ai pas eu de chance. Ah, j'ai enlevé tous mes Royal Jello, il me reste plus que deux. Bon, le prochain œuf est à 15 000. Ok, on n'y est pas encore. Je vais aller finir cette petite mission là. En plus, j'aurai un nouveau Royal Jello en plus. Allez, les filles, on y est presque. Plus que 200. Plus que 200 nourriture. Et on y est. La mission est terminée. Complète. Alors, c'était ici là qu'il fallait lui donner. Je sais pas s'il me donnait pas un œuf en plus. En plus du Royal Jello, ça serait génial si je pouvais avoir un œuf en plus là. En tout cas, il y a quoi? Oh, il y a des tacos là. Pourquoi il y a des tacos? Alors. Hop, parfait, il me donne... Ah non, il me donne un Royal Jello et 500 de trucs. Bon, tapis, tapis. Bon, allez, on va se servir un petit peu en tacos. Par contre, je sais pas si je peux accéder à la zone du Père Noël directement. Ce serait bien que je finisse la quête du Père Noël que j'ai pas fait depuis le début. Ah non, je peux pas y aller, il y a un mur invisible, j'en étais sûr. Alors, est-ce que je peux me réinitialiser? Hop, ouais, on peut. Alors, pourquoi ça me repropose de choisir un nid alors que j'en avais déjà un? Bah, je crois que c'est bugué ça. Hein. Bon, allez, on finit cette quête du Père Noël quand même. Parce que depuis le début, depuis le temps qu'il me l'a donné, franchement, c'est le moment. Hein. Allez, terminé. Voilà. Je sais plus ce qu'il me donne le Père Noël. J'espère qu'il va me donner un œuf. Si c'est pour me donner 200 de bouffe, ça sert à rien. Hein. Allez, s'il vous plaît, qu'il me donne un œuf. Un œuf. Alors, ok. Ah non, il m'a donné un ticket, putain. Tout ça pour ça. Allez, je dépose mes 3200 de food ici. Bon, faut que j'aille récolter des petits cadeaux. Je sais pas si je vais me nourrir dans des cadeaux de Noël, mais bon. Apparemment, c'est ce que veut le Père Noël. Alors, par contre, il veut les cadeaux bleus, hein. Pas les verts, pas les rouges. Non, c'est juste les bleus. Ok, il est un peu chiant, le Père Noël. J'espère que vous les appréciez, les cadeaux, hein, mes fourmis. Et les 2000 cadeaux, ils sont là. Allez, s'il te plaît, donne-moi un truc utile. Un œuf. Un œuf, s'il te plaît. Ah non, il m'a donné une fraise. Ah, j'ai encore eu un ticket par contre. Bon, là, je suis en train de choper du sucre d'orge de toutes les couleurs et la mission est presque terminée. Mais avec tout ça, s'il me donne pas un œuf le Père Noël, je n'y crois plus honnêtement. Allez, on termine. Les 1500 verts, c'est parfait. Allez, il me faut une nouvelle fourmi, s'il te plaît. J'ai été sage toute l'année, s'il te plaît. Et non, toujours pas. Bon, bah ok, hein. Je crois que je vais plus faire de mission pour toi, mec. Hein. En plus, il en a encore une. Hein. Ouais, c'est la dernière mission que je fais et t'as intérêt à m'en donner. Hein. Ah, c'est satané cadeau rose. Tu vas voir quand je vais lui rendre les cadeaux roses, moi. Allez, plus que 300 et je peux y aller. Ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir ouvrir un œuf un petit peu plus rare car j'ai les 20 billets TX. Allez, c'est bon, la quête est terminée, c'est bon. S'il me donne pas d'œuf maintenant, franchement, j'arrête de faire ces quêtes. Allez, fourmi, on s'occupe du Père Noël. Hein. S'il nous donne pas un nouvel œuf, on s'occupe de lui, d'accord? Ok, s'en fout. Oh, Robert Noël, c'est bon. J'ai été chercher tes 8000 cadeaux roses comme ça. Et... Oh putain, il m'en a pas donné. Je suis dégoûté. Allez, c'est bon, c'est mort. Vas-y. Tu feras tes quêtes tout seul. Moi, c'est pas grave. Je peux ouvrir 2 œufs maintenant. Je pense, hein. Je pense que je vais pouvoir en avoir 2. Alors, c'est parti. Re la reine, toi au moins. Je peux te faire confiance. Je vais te prendre celui-là, le Silver Egg. Il me coûte 15 000 food quand même. Allez, c'est parti.
un peu de chance pour le coup. Allez, 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 allez. Attention, qu'est-ce que ça va être? Je sais pas quels sont les taux de réussite. Un pirate, c'est pas mal un pirate, hein. Allez, je vais en ouvrir un autre. Bon, par contre, je vais devoir reprendre un basique, malheureusement. Allez, hop. Attention, qu'est-ce que ça va être? En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vais l'améliorer. Je vais... Un fire, oh c'est le plus nul, putain. Alors je vais donner des pizzas à mon pirate, comme ça. Tiens, je t'en donne deux même, voilà, comme ça t'es hyper content dans ta vie. Allez, un petit peu plus, hop. Je vais donner une fraise, à qui c'est que je vais garder? Mon pirate, hein, franchement je vais up mon pirate à fond, c'est un épique hein, quand même. Et il me reste 4 Royal Jello pour essayer d'avoir des meilleures fourmis, pourquoi pas. Alors on va essayer de transformer un cowboy, s'il vous plaît, donnez-moi... Ok, j'ai eu un rare. Non, il me faut absolument un épique. Un épique, s'il vous plaît. Non, encore. Putain, j'ai gâché tous mes trucs. Allez, s'il vous plaît. Encore un rare, mais c'est pas possible. Allez, dernier essai. C'est le dernier qui me reste, de toute façon. Et un rare. Putain. Au final, je l'ai modifié pour que ça redevienne un cow-boy. Merde. Bon, c'est pas grave. Allez, mes fourmis, je vous laisse déposer tous les cadeaux. Allez, c'est parti. On dépose tout ça, histoire d'en regagner un max. Alors, j'ai pas trop traîné dans cette zone. On va y retourner cette fois-ci en espérant trouver la boutique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a des épis de maïs. Je me demande si la boutique n'est pas dans le truc blocks là-haut. Ah, on peut monter sur la droite là. Ok, on a des pommes ici. On a de la pastèque là-bas. Ah, c'est peut-être là-bas au popcorn. Ah, il y a des... Non, ça doit pas être là-bas. Alors, on va monter sur la table de pique-nique. Par contre, il y a une planche du banc qui s'est cassée là. Bon, je suis pas encore rendu sur la table là. Je suis rendu juste sur le banc. C'est déjà un bon truc. Il y a une poubelle juste à côté. C'est génial quand tu manges d'avoir une grosse poubelle comme ça juste à côté. Ouais, mais qui c'est qui a foutu ces exercices de maths à la poubelle? Qui c'est qui a fait ça? Pire que ça, ils ont fait un avion en papier. Oh putain, il y a du bloxy, on peut prendre du bloxy. Trop bien. Non mais de toute façon, on est des fourmis, on récolte tout ce qu'on trouve. Hein. Allez, on récolte les fourmis. Allez, allez, au travail. Allez, allez. Regardez la pirate, comment elle est trop stylée. Alors est-ce qu'on peut tomber dans ce trou? Hop là, je vais éviter quand même. Peut-être que mes fourmis, elles vont tomber. Yeah. Ah, elles ont les petites particules de bloxy, regardez. C'est génial. Ah, effectivement, c'est bien un shop qu'on a juste là avec des nouveaux outils pour récolter. Cela, ouah, 45 000, 140 000, 325 000, 780 000 et 1 720 000. Ça doit être le meilleur. Celui-là. Bon, au niveau des sacs à dos, on peut monter jusqu'à 350 000 évitem. J'y suis pas encore. Hein. Je crois qu'on peut pas monter sur la table en vérité. Hein. Là, je glisse là-dessus, non? Ah, attendez. Ah, je pourrais pas aller plus haut. Y'a quoi dessus? Oh, y'a du gâteau, y'a une part de pizza. Ah, je crois que c'est pas possible. Hein. Bon, peut-être de l'autre côté, là-bas, je sais pas trop. Bref, en tout cas, les abos, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un excellent simulateur. Très, très sympa. Regardez-moi ces belles petites fourris. J'en ai que 8 finalement, mais bon. C'est déjà ça en vérité. Allez sur ce, à la prochaine les abos, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Merci à tous, c'était Redkill. Bye.